Welcome to Václav Havel's library. My name is Petr Zavadil and I will lead an interview for you with Madame Julienne Lusenge from the Democratic Republic of Congo, who is one of the nominees for the Václav Havel's prize. Madame Lusenge, cela fait plus de 20 ans que vous avez créé ou co-créé l'organisation, l'association SOFEPADI, qui au Congo, ou dont le but principal au Congo est de promouvoir les droits des femmes et notamment de faire cesser les viols. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail le travail que l'association et vous personnellement faites? Oui, merci beaucoup. Évidemment, en peu de temps, présenter un travail de 20 ans, c'est pas... On n'aura pas assez de temps. Mais je peux dire en résumé, SOFEPADI, depuis sa création, nous nous sommes engagés vraiment résolument à lutter contre l'impunité des crimes, des violences sexuelles ou des violences basées sur le genre. Et nous avons organisé plusieurs réunions pour sensibiliser les communautés autour de ces questions, mais aussi nous nous sommes engagés à impliquer les femmes dans la recherche de la paix. Parce qu'en 2000, quand nous avons créé SOFEPADI, en Ituri, où nous étions basés, il y avait beaucoup de crimes, il y avait la guerre interethnique, et les gens s'entretuaient, et il y avait beaucoup de déplacés, des femmes avec les enfants dans la rue sans assistance. Et donc, nous avons mobilisé les communautés pour assister les femmes. Nous avons organisé plusieurs rencontres pour rencontrer les délégations qui arrivait à l'Ituri pour leur expliquer que nous, les femmes, nous ne voulons pas de la guerre. Nous avons passé des émissions pour dire non à la guerre, demander aux femmes de ne pas donner les enfants pour les groupes armés. Et aussi, nous avons profité de ce moment pour documenter les crimes graves qui ont été commis à l'Ituri, qui rentraient dans le mandat de la Cour pénale internationale. Nous avons soumis 4 rapports. Nous sommes allés très loin pour aller chercher les victimes qui se cachaient très loin après beaucoup de souffrances avec les différents groupes armés. Nous les avons rencontrés, nous avons documenté leurs histoires, nous avons amené ces témoignages au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons aussi retiré des enfants qui étaient dans les groupes armés, qui étaient utilisés dans les hostilités, mais qui étaient aussi utilisés comme esclaves sexuels de leurs commandants. Nous avons retiré ces enfants. Et comme on n'avait pas un endroit pour les loger, nous avons dû les loger même dans nos maisons. Et chaque fois, on fouillait avec ces enfants. Je me suis déplacée 4 fois à cause des menaces des groupes armés, à cause de mon engagement pour la justice. Et chaque fois que je me déplaçais avec ces enfants. Nous avons dormi dans la brousse avec mes enfants et mon mari plusieurs fois. Notre maison a été attaquée. Nous avons tout abandonné à Bounia pour fuir à Beni à cause de ce travail. Donc, SOFEPADI, à part, utilise l'approche communautaire pour mobiliser les communautés, les jeunes, les chefs coutumiers, les leaders religieux et les leaders de la société civile, les acteurs judiciaires pour participer à la lutte. Nous avons formé les commissaires de police pour apprendre le langage des femmes, pour bien écrire leur procès verbal. Parce que si le commissaire de police n'écrit pas bien son procès verbal, le reste des processus ne va pas marcher. Et donc, il était important de former les commissaires de police sur la loi. Nous avons participé nous-mêmes dans la rédaction, la conception de cette loi à tous les niveaux jusqu'à ce qu'on arrive au niveau national pour soumettre la proposition de loi qui a été finalement adoptée en 2006 pour lutter contre les violences sexuelles. Donc, jusqu'à 2000, je ne vais pas donner les statistiques de plusieurs années qui sont passées. Je vais vous donner quelques statistiques de l'année 2020. Nous avons identifié 1839 cas de violences basées sur le genre, dont 1641 cas de violences sexuelles et 198, comme les Belges, ou 188 cas de violences basées sur le genre. Ça peut être le problème d'héritage, ça peut être le problème des maris qui abandonnent les enfants, qui ne veulent pas reconnaître la filiation. Donc, on les accompagne pour que ces femmes retrouvent leurs droits.
Nous avons aussi identifié, parmi les 1839, il y avait 73 grossesses issues des viols. 9 victimes dépistées positives, parce que nous faisons aussi le dépistage volontaire des victimes qui arrivent pour voir s'ils n'ont pas d'autres maladies avec les viols qu'elles ont subis. Donc, il y a 9, pour 2020, nous avons identifié 9 cas, dont 4 jeunes filles âgées de moins de 17 ans qui sont séropositives à partir des viols subis. Nous avons pris en charge psychologiquement 1094 cas, de tous les cas que nous avons dû identifier, et nous avons fait la médiation par rapport aux crimes, aux violences basées sur le genre, de 77 cas, soit 77 cas en français. Et nous avons aussi accompagné en justice 186 cas et nous avons gagné le procès pour 74 jugements et nous avons perdu 6. Le reste continue en instruction. Vous allez nous demander pourquoi il y a moins de cas en justice. Les femmes ont peur et les filles et les familles ont peur des représailles parce qu'il y a toujours des troubles dans notre région. Les groupes armés et les militaires sont toujours actifs et donc il y a beaucoup de menaces et envers les activistes et envers les victimes. Et souvent, les victimes ont peur d'aller porter plainte. Mais nous documentons tous les cas et nous attendons parce que les crimes de violences sexuelles, c'est imprescriptible. Nous avons aussi organisé 5 chambres foraines. Nous déplaçons les tribunaux dans les villages où se commettent les crimes pour que les auteurs soient jugés dans les villages où ils ont commis les crimes pour que la population puisse voir comment fonctionne la justice et aussi redonner la confiance à la population de notre justice. Aussi, nous devons prendre en charge tous les frais, les déplacements des magistrats, les déplacements des policiers qui doivent sécuriser la place, les déplacements des victimes, les déplacements des auteurs et tout le monde. Nous allons, pendant 4 jours, nous mobilisons les communautés pour assister à ces chambres foraines. Et quand nous les mobilisons comme ça, il y a une femme qui était victime de violences sexuelles qui nous avait dit ceci après le jugement. Elle a dit, continuez à organiser ces chambres foraines parce que ça me redonne ma dignité. Plusieurs fois, les familles ne comprennent pas, n'acceptent même pas que les femmes adultes ont été violées. On croit qu'elles ont menti. Et quand les auteurs sont jugés devant les communautés, et là, la famille comprend que la dame a été effectivement victime. Elle n'a pas voulu ce qui lui est arrivé. Nous avons aussi organisé les femmes pour reprendre leur vie, pour la réinsertion socio-économique et l'intégration. Il y a des centres d'apprentissage des métiers que nous avons organisés dans les villages. Nous avons formé des femmes leaders qui nous aident à documenter les cas, mais qui nous aident aussi à aider ces femmes à se réintégrer dans les familles en apprenant des métiers. Nous avons organisé aussi des activités génératrices de revenus. Nous appelons ça Association villageoise d'épargne et de crédit. Nous avons regroupé plus de 1890 femmes et jeunes femmes pour autour de ces activités. C'est un petit groupe, bien sûr, dans différents villages, pour qu'elles arrivent à faire des activités génératrices de revenus. Ainsi, elles reprennent leur vie et s'intègrent dans les communautés, elles apportent aussi leur contribution dans le développement du village. En 2021, le premier trimestre, nous avons déjà identifié en Ituri, comme vous savez, à ce moment, il y a beaucoup de violences dans cette région. Nous avons déjà identifié 148 cas au premier trimestre. Il y a des jours où nous recevons même 17 cas, 20 cas, des femmes qui nous arrivent, des jeunes filles et des hommes. Au mois de janvier passé, j'étais là, j'ai rencontré au moins 7 hommes, des hommes âgés comme des jeunes gens qui ont été détenus esclaves sexuels dans les groupes armés. Et nous, quand ils arrivent chez nous, nous accueillons tout le monde sans discrimination et on offre les services. On fait passer beaucoup de missions en langue locale pour inviter les gens à venir demander des services. À Beni, nous avons déjà 29 cas de violences sexuelles et 32 cas de violences basées sur le genre. Voilà le travail que Sophie Padi fait, c'est plus que ça. Nous sommes très engagés dans la lutte contre les
violence, mais aussi dans la promotion des femmes à participer dans les instances de prise de décision. Nous formons les femmes pour être capables de compétir pendant les élections. Nous avons installé dans les communautés des groupes de dialogue pour aider, et ce sont les femmes qui prennent le leadership de ces groupes de dialogue, pour résoudre des conflits intercommunautaires, mais aussi pour promouvoir le leadership des femmes dans les communautés. Nous avons mis aussi ces groupes de dialogue dans les universités pour rapprocher les jeunes qui étudient avec leur communauté. Parce que souvent, les jeunes, quand ils vont dans l'université, n'ont plus les contacts avec les membres des communautés. Et c'est comme ça que nous les remettons ensemble pour discuter sur les questions qui les concernent. Par exemple, à Beni, il y a eu des disputes entre deux chefs coutumiers autour des limites de leur collectivité. Les femmes que nous avons formées dans les groupes de dialogue se sont réunies, hommes et femmes, pour aller réclamer. Parce que chaque chef maintenant demandait des taxes. Lui va demander les taxes, l'autre vient et demande les taxes. Et ça faisait lourd sur les familles. Les femmes sont allées faire, nous avons organisé une table ronde où les chefs coutumiers sont venus à la rencontre des femmes et des hommes pour poser des questions. Les hommes ont posé des questions, les femmes ont posé des questions et ont demandé que ça s'arrête. Et ça, on a pu régler cette question-là. Nous avons réglé aussi beaucoup de conflits entre les Pygmées et les Bantous à cause des terres. Les Bantous ont exproprié les Pygmées. Le conflit allait éclater, vraiment éclater. Les Pygmées avaient déjà préparé leurs flèches pour attaquer les Bantous. Mais nous avons fait les recherches actions participatives. Quand nous avons trouvé les causes, selon nos analyses, nous sommes rentrés vers les communautés pour présenter ce que nous avons trouvé et les communautés nous ont demandé de faire la médiation. Et nous avons fait la médiation, nous avons rétabli la paix entre les Bantous et les Pygmées et les Bantous ont restitué 14 collines des Pygmées aux Pygmées. Aujourd'hui, ce sont les Pygmées qui gèrent ces entités. Donc, nous avons aussi, je peux dire quelque chose qui a montré vraiment notre travail au niveau de la Cour pénale internationale. Beaucoup de gens avaient peur de faire des documentations, de travailler en collaboration avec la Cour pénale internationale. Mais nous avons bravé la peur, nous avons commencé à travailler sur ça. Nous avons identifié des filles qui étaient cachées très loin, des endroits où on nous disait « il ne faut pas aller, c'est dangereux, c'est dangereux ». Nous sommes allés. Je me souviens un jour, on est allé dans un village à 150 km des villes de Bounia. On n'avait même pas de moyens de communication. On avait notre appareil Touraya qui n'avait pas assez de crédit. Et le matin, chaque personne pouvait juste appeler sa famille pour dire « Bonjour, on va bien, on s'est bien réveillé. » Et on coupe. Tu passes à l'autre, il appelle. On était à trois pour faire cette documentation. Pendant 4 jours, on était cachés là-bas. Et après, on devrait quitter. Un instant m'est arrivé comme ça pour me dire « Il faut partir. » Et j'ai juste appelé mon équipe pour dire, on doit quitter. Les autres disaient, non, on a encore des gens à écouter. J'ai dit, non, 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 on doit quitter. Et juste quand on est quitté, on est parti. Une heure après, il y a le chef de guerre, Cobra Matata, qui est arrivé à cet endroit. Parce que finalement, il a appris qu'on était là. On était en train de documenter. Les milices étaient les enfants du terrain, de la communauté. Les victimes étaient aussi les membres des communautés. Et les maires des milices étaient là. Et donc, on faisait le travail vraiment avec beaucoup de risques, mais on est arrivé à faire ce travail, on est arrivé à porter la voix des victimes au niveau de la Cour pénale internationale. Vous me permettez de citer une phrase qui vient de vous. Les groupes armés utilisent les corps des femmes comme un champ de bataille. C'est quelle réalité terrible qui se cache sous cette phrase? Oui, c'est la réalité de notre pays. C'est la réalité de notre pays. Pas seulement les groupes armés et les militaires loyaux et les groupes armés. Parce que quand les milices viennent attaquer les villages, ils attaquent les femmes. Ils violent les femmes systématiquement. Ils prennent les hommes et les femmes, ils les amènent dans leur camp et ils abusent de tout ce monde-là. Ils les violent d'abord et puis ils demandent aux prisonniers de se violer entre eux. Et des gens restent nus pendant des mois et des mois comme des animaux de basse-cour. Après,
quand il y a les militaires qui arrivent dans les villages, les militaires aussi disent, ce sont vos enfants. Les milices, ce sont vos enfants. Et là, ils punissent aussi les femmes qui sont dans ces villages. Ils les violent. Ils incendient des maisons. Ils attaquent tout le monde. Ils tuent. Parce qu'on dit que ce sont vos enfants. Donc, nous payons le double prix des guerres qui se passent dans notre pays. Et les femmes portent vraiment de lourds tributs. Et ces plaies sont impassables. Cela fait plus de 30 ans, quelques dizaines d'années en tout cas, que vous vous occupez de ce problème tragique. Mais d'après vos discours, par exemple à l'ONU, il y a 2 ans, la situation ne s'améliore pas vraiment. Vous avez parlé d'une recrudescence de la violence sexuelle, envers les enfants. Qu'est-ce qui, d'après vous, il doit être fait d'abord pour faire cesser cela ? Oui, merci pour la question. Vous savez, la guerre a perduré dans notre pays. Toutes nos structures sociales ont été complètement désarticulées. Il n'y a plus de morale. Moi, quand j'ai grandi, ma mère pouvait me laisser chez le voisin et aller au champ. Elle est revenue le soir et le voisin s'occupait de moi. On pouvait me donner à manger, on pouvait même me loger quand maman n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas laisser ma fille avec un voisin, même avec mon frère, parce que j'ai peur. Parce qu'il y a des viols, il y a l'inceste, il y a maintenant les viols par les civils, il y a les viols par les militaires, par les groupes armés. La justice est complètement désarticulée. S'il n'y a pas la justice, on n'arrivera pas à mettre fin à ces crimes. Et aussi, il faut mettre fin à la guerre. C'est la guerre qui exacerbe les viols dans notre pays. Avant, on ne connaissait pas tout ça. Avant la guerre, le génocide du Rwanda, quelqu'un qui violait dans ma communauté, il était banni de la communauté. Il était chassé loin de la communauté. Il ne pouvait plus revenir dans les villages. On l'appelait en notre langue Mukumbira. Il ne pouvait plus revenir. Mais avec l'arrivée des FDLR, après le génocide du Rwanda, nous avons vu se développer d'une façon horrible les violences et les viols dans notre pays. Et ça a continué jusqu'à ce jour. Notre justice est complètement désarticulée. Pourtant, vous refusez catégoriquement le fait qu'on désigne le Congo comme la capitale du viol mondial. Pourquoi ? Pourquoi ce refus aussi catégorique? Oui, mais vous savez, c'est quelque chose imposé aux populations congolaises. C'est imposé, c'est une guerre économique. Après le génocide du Rwanda et après San City, comme on a mélangé les groupes armés avec nos militaires loyaux, et ils sont partis dans l'armée avec leur comportement de viol. Et ils ont continué, on les a déployés partout. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les violences sexuelles se sont éparpillées, se sont propagées dans tous les pays. Mais pourquoi je refuse à ce qu'on dise le Congo est la capitale des viols? Parce que c'est imposé. Les Nations Unies sont arrivées ici. Il y avait combien de groupes armés? Aujourd'hui, nous avons plus de 120 groupes armés. Il n'y avait pas beaucoup quand ils sont arrivés. Mais avec 20 ans après, plus de 20 ans de leur présence, c'est maintenant plus de 120 groupes armés. Et les violences s'intensifient. Donc, est-ce qu'ils ont raison de nous dire que nous sommes capitale des viols ou c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir de protéger les Congolais et les femmes congolaises? C'est comme ça que nous sommes arrivés là. Et maintenant, la honte, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les Congolais? Et c'est comme ça que j'ai dit non. Ils n'ont pas fait leur devoir, ils ne peuvent pas nous traiter de capitale des viols. C'est humilier, même manquer du respect à cette population meurtrie à cause de ses richesses. Au Rwanda, il y a eu 800
personnes qui ont été tuées pendant les jeunesses, 800 000, je crois, qui ont été tuées. Mais oui, aujourd'hui, au Congo, nous sommes à plus de 15 000 qui ont été tués. Et donc, je me dis, si la communauté internationale, si nous-mêmes, les Congolais, le gouvernement et tous les acteurs, et la région des Grands Lacs, voyez la souffrance des femmes congolaises et donner des, mettez des efforts ensemble pour mettre fin à ça, on n'arriverait pas à la situation qu'on est. Nous, les femmes, on est en train de faire ce que nous pouvons. Sans moyens, sauf pas dire à travailler pendant 4 ans, sans appui extérieur, nous avons cotisé nous-mêmes pour faire le travail, pour donner les services aux victimes de violences sexuelles. Permettez-moi de terminer peut-être sur un plan un peu plus personnel. D'où vient votre ferme volonté d'aider les autres femmes qui ont été atteintes par les viols? Je suppose que vous avez mentionné vos parents, je suppose que vos parents y sont pour quelque chose. Et puis est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment déterminant qui vous a fait prendre cette décision de commencer à aider les femmes victimes de viol? Oui. Dans ma famille, mon père m'a aidé. Je discutais beaucoup avec lui. Il me faisait lire beaucoup de livres. Et il m'a permis de m'exprimer librement sur mes droits et sur les droits des autres. Et quand j'ai commencé le travail comme journaliste, j'allais dans les villages, je voyais la volonté des femmes de jouir de leurs droits, mais les coutumes les empêchaient. Et le fait d'être mariée les empêchait, parce qu'on ne peut pas dire quelque chose sans que le mari ne puisse accepter. Et mon travail comme journaliste était éduquer sur les droits, sur la justice, sur le développement et sur la santé, tout ça. Et donc, j'ai donné la parole aux femmes pour parler. Alors, quand la guerre a commencé, j'ai vu la souffrance des femmes et des jeunes filles. Il y a un cas d'un enfant, d'abord pour le cas des femmes et des hommes qui étaient pris esclaves sexuels dans les groupes armés. J'ai dénoncé ça plusieurs fois et j'ai risqué ma vie à cause de ça. Jusqu'aujourd'hui, je suis menacée à cause de ce travail que j'ai fait avec la Cour pénale internationale. Le premier cas que j'ai amené en justice, c'était un cas d'un enfant de 2 ans ou 3 ans. Son père même était un enfant parce que le père avait 17 ans. La mère avait à peine 15 ans. Cette petite fille était violée par 4 adultes. La fille est morte sous le coup. Et ça m'a tellement révoltée. Je voyais les parents qui sont des enfants. Je voyais ces adultes qui ont violé comme leur petite fille. Ça, j'ai dit non, ça, on ne va pas laisser. Les autres organisations m'ont dit, Julienne, fais attention. Ça risque de te créer des problèmes avec les groupes armés. Mais je me suis dit non. Sans la justice, on ne va jamais arriver à mettre fin à ça. Il faut que ces gens répondent leurs actes. J'ai demandé à notre avocat d'établir la plainte et on a porté le cas en justice. C'est là qu'on a commencé maintenant à porter tous les cas en justice. On a recruté un avocat qui était toujours avec nous pour accompagner les cas. Cette famille, le procès a été gagné, mais par après, malheureusement, nos prisons sont poreuses, les auteurs ont fui. Mais au moins, le dossier est là. Chaque fois que nous gagnons un procès, nous nous assurons de garder le jugement parce que nous savons que les viols, les crimes de viol, c'est imprescriptible. Même après combien d'années, si un jour le Congo se rétablit, il y a la justice qui fonctionne, tous ces gens, ils vont venir réclamer leurs droits. Et on arrivera à mettre fin à ces crimes. C'est ça qui m'a poussée. Parce que je voudrais aussi que mes petites filles, parce que mes enfants, ils ont grandi dans la situation telle que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais je voudrais que mes petites filles puissent trouver un autre Congo, là où il n'y a pas de violence. Et c'est comme ça que je travaille nuit et jour. J'apporte ma contribution partout où je peux le faire. Et je parle partout où je peux le faire, je peux aller parler. Pour que ça change.
Je sais que ça va changer. Parce qu'il y a des femmes qui ont aussi lutté comme ça, en Europe partout. Et aujourd'hui, elles jouissent de leurs droits. Donc, nous n'avons pas droit de nous reposer. Nous devons continuer, continuer, continuer chaque jour à éduquer nos jeunes, à comprendre les droits et le respect de la femme, éduquer les hommes à arrêter les violences et les militaires et les milices. Nous allons même vers les groupes armés pour leur parler. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix. S'il y a la paix, nous allons aussi construire la justice et la justice va construire, va alimenter la paix et nous allons avoir la stabilité. Mais il y a des paramètres. Il faut que la communauté internationale nous aide et c'est comme ça que nous allons partout pour parler de cette situation. Il faut que la région des Grands Lacs travaille dans la collaboration parfaite pour qu'on arrive à partager les richesses, pas seulement les exploiter illégalement, mais que ça soit partagé avec tous les autres. Nous devons construire. Je rencontre les femmes du Rwanda, je rencontre les femmes de l'Ouganda, les femmes de partout, en Afrique et en Europe, aux États-Unis, pour qu'on mette nos mains ensemble pour travailler. Nous avons formé les victimes des violences sexuelles. Elles sont aujourd'hui devenues les agents des changements. Elles-mêmes participent à la lutte. Parce que nous savons seuls, nous n'allons pas faire. Et c'est comme ça que j'ai initié le Fonds pour les femmes congolaises à partir de Sophie Badi, pour donner des subventions aux autres organisations, pour que ces organisations aussi puissent arriver à accompagner, à faire le travail dans leur communauté, dans les régions où elles se trouvent. Comme ça, ça va faire tache d'huile et ça va fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les jeunes filles pour les former sur leurs droits, mais sur aussi la loi qui réprime les violences sexuelles. Nous avons installé des clubs d'écoute, des clubs d'observation des violences dans les écoles pour que les jeunes filles puissent s'exprimer, dénoncer ces violences. Parce que nous savons quand ça va commencer à être porté aussi par nos jeunes, jeunes filles et jeunes gens, nous allons avoir l'impact. Il y aura un véritable changement. Voilà un peu ce que nous faisons tous les jours et voilà notre espoir. Même quand parfois on est un peu affaibli, découragé, mais dès qu'on voit un cas qui arrive, on se réveille, on se dit non, on doit continuer à pousser et on continue à pousser. Et heureusement que je suis soutenue par ma famille et mes collègues pour avancer dans le travail. 21 années maintenant, le 2 avril, on aura 21 années de Sophie Badi. Le groupe est toujours en cohésion, unité de collaboration et on pousse chaque jour. On n'a pas assez de moyens, mais on fait de notre mieux pour faire le travail, pour que les victimes puissent avoir les services correctement. D'accord. Madame Lusenge, je vous remercie beaucoup de votre temps et surtout, je vous souhaite beaucoup de courage dans ce travail important que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.